Yo la famille, c'est RIS-K de Beat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle session beatmaking où je vais vous expliquer comment j'ai réalisé la prod de Ben Way. C'est parti. Partant sur cette prod, c'est vraiment quelque chose de dynamique, vraiment quelque chose de mélodieux, dynamique, mais en même temps simple et efficace. Et directement pour rentrer justement dans cette dynamique-là, je voulais vraiment quelque chose qui s'apparente à une sonnerie, tu vois, un jeu, tu vois, une sonnerie enfin, une mélodie de Game Boy, de jeu, quelque chose qui reste à l'oreille, qui est prenant. Et donc directement, j'ai commencé à composer une mélo avec une guitare qui sonnait acoustique, mais en même temps assez joviale, etc. Et je suis parti sur ça. Voilà, simple. Mais efficace, c'est vraiment ce que je voulais. Et en soi, en termes de mélodie, il y a vraiment que ça sur les couplets. C'est-à-dire que ça laissait vraiment une liberté. Je voulais vraiment que ce soit du kickage sur les couplets, que ce soit découpé, du découpage, du kickage, etc. Et donc directement, je suis rentré sur les drums en marquant le battement par minute, le BPM, avec les snares. Donc directement, les snares. Pour le coup, là, j'ai juxtaposé des snares, enfin, une snare et des claps en même temps. C'est-à-dire qu'il y a le côté pac, 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 et il y a le côté tchac, qui frappe en même temps. Et voilà, il faut laisser parler son imagination, faut vraiment faire ce qu'on a envie, tester des choses, etc. Et là, pour le coup, ça sonnait bien. Parce que, comme j'ai pu le dire, là, il y a vraiment que la mélodie guitare qui joue tout le côté mélodique sur les couplets. Donc, directement après ça, j'ai rajouté, pour le coup, un contre-snare. Un peu à l'ancienne, un peu à la Dirty South. Et voilà. Les deux en même temps, ça donnait. Donc voilà. Assez rythmé, assez simple. Et donc après ça, directement, les hats. En rôle. Donc voilà, simple encore une fois. Et le tout, le jeu de drums sur les couplets. Voilà, boum, tchac, boum, boum, tchac, efficace, simple, et voilà, ça laisse vraiment place, ça aère vraiment, ça laisse place au kickage, et voilà. Ensuite, j'ai quand même voulu dynamiser un petit peu en fonction des textes que j'étais en train d'écrire directement en même temps, j'ai apporté des snares un peu à la façon drill, un peu cadencé comme ça, et donc c'était ça. Et justement, du coup, là, j'ai mis le paquet sur, entre guillemets, j'ai mis le paquet sur le refrain où vraiment, il y a toute la sauce, il y a toute l'ambiance du son. Il y a vraiment pas mal d'instruments qui se superposent les uns aux autres. Et donc, pour commencer, j'ai juste repris la mélodie principale avec une octave au-dessus. Et j'ai apporté quelques petites notes différentes. J'aime bien faire ça des fois pour varier un petit peu au refrain. Et c'est ce que j'ai fait directement. Avec cette mélodie-là. Donc
Donc voilà, simple. Juste, j'ai repris la mélodie principale, j'ai rajouté deux, trois petites notes en plus, et j'ai augmenté la note d'une octave. Enfin, j'ai augmenté les notes d'une octave. Et on a directement l'ambiance en soi, c'est pas compliqué. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté directement une petite mélo un petit peu qui sonne un peu à l'ancienne, un peu médiévale, vraiment le côté un peu château empirique, et qui fait vraiment son efficacité également. Donc voilà, avec ça, une simple voix qui vient juste reprendre sur tout l'ensemble du refrain. Voilà, toujours ce côté un peu médiéval, le côté un peu empirique et tout. Le côté ouf, le côté conquérant, vainqueur. Et donc les fameux 808 qui apportent tout le groove. À ça, j'ai rajouté aussi un petit roulement de batterie pour encore plus cadencer et rythmer encore plus le refrain. Et voilà. Les 808 et ce petit roulement de batterie, ça donne ça. On a toute la prod et du coup l'ensemble ça donnait ça. Voilà, c'était RIS-KKRS de Beat. J'étais ravi de vous faire découvrir la réalisation de la prod de Bahouais. C'était vraiment un plaisir de la réaliser, donc c'est un plaisir de vous la faire découvrir. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Peace. RIS-KKRS de Beat.